0. Les amis Gaël, Cordier, comment on dit d'ailleurs? Cordeur. Oui, les cordes jugé flic, moi, quand même. Ok, alors c'est parti. Donc, on amène cette raquette. Bon, évidemment, ce petit côté, c'est pas sorcier. Hein, tu vois, tout est interaqué. Vous voyez, il n'y a rien. Voilà. Les qualités d'un bon cordeur. Être méticuleux, savoir corder vite, si besoin. Donc, en fait, vous, sans mauvais jeu de mots, sur la quinzaine, vous êtes aussi sur la corde raide. Tu vas accorder combien de raquettes comme ça sur la quinzaine, tu sais? Entre 20 et 30 raquettes par jour. Après, ça peut 20 et 30 raquettes par jour, multiplié donc par 15, ça donne. Beaucoup de raquettes, quoi. La tension est mise. Voilà, le côté musicien reprend son rôle. Je te laisse faire. Allez, vas-y. Donc là, on retouche pas le bouton, tu laisses. Je lâche. Tu lâches. 8, voilà, tu bim bam boum. Ça j'enlève. Tu libères la pince, on la met là. Non. Tu bloques la pince, tu rappuies sur le bouton. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier, quand tu as su que tu cordais sa raquette, ça fait vibrer chez toi ta corde sensible, oui. Tsonga. Donc là, effectivement. Et Tsonga, là, il y a le petit. Ouais, pour son premier match, quand on vient de corder les raquettes et que les joueurs rentrent sur le terrain derrière et jouent, bon, on prie un peu pour que ça se passe bien. D'autant pour lui que pour nous, quoi. On attaque la phase de perpendicularisation. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est ce que je voulais dire, en fait. Une main au-dessus, une main en dessous, c'est plus simple. Tu pousses. Bien sûr. Tu pousses. Si tu vas plus vite que moi, ça va pas aller. Donc t'as passé au-dessus de deux cordes, donc ça va pas. Absolument. Voilà. Absolument. Mais tu l'avais vu, c'était pour vérifier si je vais arriver. Bien sûr. Et en fait, tu m'as fait tromper. C'est pas beau ce que tu fais, Gaël. Non, tu m'accuses. Je suis pour rien, moi. Attention, grand-maman, c'est donc le nœud final. T'as plus qu'à aller jouer. Merci.